Les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Ronaldo au Real Madrid. Comme vous le savez tous, à l'heure actuelle, CR7 est sans club. Il peut s'engager où il souhaite. Mais, comme vous le savez également, un club en Arabie Saoudite nommé Al Nassr souhaiterait recruter le Portugais. C'est le seul club qui veut recruter Ronaldo à l'heure actuelle. Car, comme vous le savez, que ce soit le PSG, le Barça, Manchester City, le Bayern, etc. ne veulent pas de Ronaldo. Mais qu'en est-il pour le Real Madrid? Est-ce que le Real, maintenant, veut recruter Ronaldo? Car comme vous savez, il y a quelques mois, Pérez avait dit que Ronaldo était trop vieux et donc il ne souhaitait pas le recruter. Mais est-ce que depuis, on va dire quelques mois, le Real Madrid, désormais, veut recruter Ronaldo? Est-ce que l'arrivée de CR7 à Madrid est possible? Est-ce que le Portugais peut effectuer éventuellement un retour à la Casablanca? On en parle aujourd'hui, mais avant toute chose, évidemment, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne, c'est le plus important. Et c'est parti pour cette vidéo spéciale Ronaldo au Real Madrid. Donc les gars, vous le savez, Ronaldo à l'heure actuelle est sans club. C'est le chômeur le plus connu et le plus riche de France. Franchement, c'est incroyable. Mais donc, est-ce que l'arrivée de CR7 au Real est possible en 2022 ou en 2023? La réponse, malheureusement, pour les fans du Real Madrid et les fans de CR7, est non. J'en ai fait une vidéo hier pour parler de ça, qui vous a au passage énormément plu. Donc, merci à tous. Donc, l'arrivée de Ronaldo au Real Madrid, en tout cas en 2022 et en 2023, la réponse est non. Il ne viendra pas, à part gros changement, on va dire, du président madrilène Pérez. Car même maintenant, même à l'heure actuelle, Pérez ne veut pas de CR7. Il l'a dit, retour de Ronaldo au Real Madrid est impossible. Il ne souhaite pas recruter le Portugais. Voici, on va dire, pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et de vous abonner à la chaîne. C'est le plus important. Et ciao.